Donc, Cabazal, c'est une installation que j'ai faite entre 2001 et 2002, suite à une autre installation, celle du 7 que j'avais fait en 2001 à la rue de Saint-Malo à Brest, provoquée par la lecture de Tazmamar cellule 10 de Ahmed Marzouki, l'histoire d'un homme dans un bagne au Maroc pendant 18 ans, dans une cellule. L'installation consiste en une cellule, une boîte de 2 mètres par 2 en tissu noir, dans laquelle le spectateur est invité à rentrer. Quand il rentre, il se retrouve face à lui-même, un corps allongé, enfermé dans une cellule. Et projeter un film aussi sur la reconstitution donc, d'un corps enfermé dans une cellule, dans cette même cellule, un autre, le mien, qui subit les éléments extérieurs, le feu, l'eau, l'air. Et sont projetés à l'extérieur de cette boîte des diapositives. On a un siège dans lequel le spectateur est amené à s'asseoir et je lui raconte mes rêves. Donc il est filmé et une sculpture devant lui reproduit son visage dans un écran au niveau du visage du corps qui est devant lui. Et ça se passe à l'intérieur de ce cube dans lequel on rentre. Et donc le son est diffusé et en haut du cube sont disposés les projecteurs diapo et sur le cube est diffusé un film. Alors ça fait près de 300 images, diapositives, grattées sur verre, des négatives brûlées, dessinées à la plume et à l'encre de chine. Donc voilà, les images diapo sont projeté de part et d'autre du cube et le spectateur tourne autour ou rentre à l'intérieur et est plongé dans toute une ambiance sonore en quadriphonie. Gives you a illusion that has the
J'ai voulu faire un parallèle entre la cellule et le monde extérieur, le temps qui défile et quelque chose de plus poétique avec les images projetées et tout un travail sur l'effacement, la mémoire, la nostalgie, le rêve et comment quelqu'un peut s'échapper d'un environnement carcéral ou pas, psychologique, par l'imaginaire et l'imagination.